Voilà, on pose notre gabarit. Hop. On met un poids dessus. Voilà, une pointe. Alors là, je vais poser le biais sur la toile du parapluie. C'est-à-dire que j'utilise une machine à coupe droite avec un guide. Et voilà, c'est parti. Alors le biais va tendre la toile, va éviter les filochages et va faire une finition plus couture. Alors le passe-vent, donc c'est un parapluie que nous avons conçu il y a 15 ans. Il a deux toiles, alors deux toiles, pas simplement pour faire joli, mais c'est parce qu'entre les deux toiles, on met du tulle. Le tulle permet au vent de passer à travers et de ressortir ici. Donc ce parapluie-là ne craint pas le vent, le vent a très peu d'effet dessus. Et c'est vrai que c'est agréable parce qu'on n'est pas toujours en train de lutter contre le vent et à retenir le parapluie.